وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans son livre à maintes reprises de s'unir et de ne pas se diviser. Il a interdit la division, les polémiques en religion et tout ce qui cause la haine et la séparation entre les membres de cette communauté. Il y a de nombreux versets et de nombreux hadiths qui prouve l'obligation de l'union sur la vérité et l'interdiction de se diviser et de se séparer. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en état de soumission complète et cramponnez-vous tous ensemble à l'accord d'Allah et ne vous divisez pas. » Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis et qu'il a uni entre vos cœurs, et vous êtes devenus par un effet de sa grâce des frères. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets, « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves évidentes leur soient parvenues. Voilà ceux qui seront touchés par un énorme châtiment. » Allah tabaraka dit dans le sens des versets, « Ne vous disputez pas, car vous faiblirez et votre force partira. » La fraternité en islam, c'est un bienfait énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté. Car il a dit, « Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous, alors que vous étiez ennemis et il a uni entre vos cœurs. » Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui t'a donné assistance par son aide ainsi que par les croyants et qui l'a uni entre leurs cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y avait sur terre, tu n'aurais pas pu unir entre leurs cœurs, mais c'est Allah qui a uni entre eux. La fraternité en islam, c'est une exigence de la foi. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, les croyants ne sont que des frères. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, le croyant pour le croyant est comme l'exemple d'une construction dont les différentes briques se soutiennent les uns les autres. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté n'est que comme un seul corps. Et il a dit dans le sens du hadith, l'exemple des croyants dans les liens de fraternité, de miséricorde et d'affection qu'il y a entre eux. C'est comme l'exemple d'un seul corps. Quand une partie de ce corps se plaint d'une douleur, tout le reste du corps accourt à son secours par la fièvre et par la veille. Dans le hadith rapporté par l'imam Tabarani, qui est un hadith acceptable, où Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit « La plus solide des anses de la foi consiste à s'allier pour Allah, à prendre à partie pour Allah, à aimer pour Allah et à détester pour Allah. » Donc, serviteur d'Allah, on voit l'importance de la fraternité en islam. Et les pieux prédécesseurs y donnaient une importance particulière. Il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « La rencontre de mes frères, ça dissipe mes soucis. » Sufyan al-Thawri rahimahullah, on l'a questionné. « Quelle est la douceur de cette vie? Dans quoi tu trouves de la douceur dans cette vie ?» Il a dit « Quand je rencontre mes frères en Allah. » Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit « Nos frères sont plus aimés à nous que notre propre famille. Car nos frères
nous rappelle l'au-delà alors que nos familles nous rappellent ce bas monde. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a été rapporté que le matin après la prière du Fajr, il allait retrouver l'un des compagnons à sa porte et il le serrait fort dans ses bras. Et il disait, tu m'as manqué toute la nuit. Donc, on voit alors comment il vivait cette fraternité. Comment la sensibilité du croyant, elle doit être utilisée dans le bien. Et le croyant, il est sensible. Il a des sentiments. Sauf qu'à la différence de quelqu'un qui suit ses passions, un croyant, ses sentiments, ils sont sous sa raison. Et sa raison, elle est sous la religion. Alors que les gens des passions, les sentiments, c'est au-dessus de tout. Les sentiments, c'est au-dessus de la raison. Et la raison, elle est au-dessus de la religion. La religion, c'est ce qu'il y a en dernier. Voilà la différence. Il faut savoir que la fraternité en islam, c'est une œuvre pieuse. Un acte par lequel on s'approche d'Allah. Comme quand on se lève, on prie. Comme quand on donne une sadaqa. Cette fraternité aussi, c'est une œuvre par laquelle on cherche des récompenses auprès d'Allah. Donc, comme toute œuvre, elle a des conditions pour être acceptée. Elle a des conditions pour être considérée comme une fraternité en Allah. Il y a trois conditions essentielles. La première, c'est qu'elle soit sincère et désintéressée. Sincèrement pour Allah et désintéressée. C'est-à-dire qu'il ne cherche rien dans cette relation des choses de ce bas monde. Et il y a plusieurs preuves sur cela, bien sûr, sur l'importance de la sincérité et du fait qu'elle doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, trois caractéristiques, celui qui les réunit trouvera grâce à elles la douceur de la foi. Que Allah et son messager soient plus aimés à lui que toute autre chose. Que quand il aime une personne, il l'aime sincèrement que pour Allah. Et qu'il déteste retourner dans la mécréance comme il détesterait se voir jeté dans le feu. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith de Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, sept catégories de gens seront ombragés de l'ombre du trône d'Allah, de l'ombre d'Allah, c'est-à-dire de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi eux deux personnes qui se sont aimées pour Allah, qui se sont réunies pour Allah et qui se sont séparées pour Allah. La deuxième condition, c'est que cette fraternité, elle soit fondée sur le bien et l'entraide dans le bien et l'obéissance d'Allah. Non pas sur la nationalité, ni même les origines, ni même la race, ni même parce qu'on partage des passions, ni qu'on fasse partie d'un même groupe, ou d'un même parti, ou de je ne sais quoi. Le seul critère, c'est l'obéissance et l'entraide dans le bien. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, si ce n'est avec la piété. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala dira le jour du jugement dernier, où sont ceux qui se sont aimés en ma magnificence, en ma grandeur? Aujourd'hui, je vais les ombrager de mon ombre le jour où il n'y a pas d'ombre à part la mienne. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, en expliquant ce hadith, a dit, quand Allah ta'ala dit, où sont ceux qui se sont aimés en ma grandeur et ma magnificence, la magnificence d'Allah. En cela, il y a une preuve qu'il y a dans le cœur de ces personnes qui se sont aimées la grandeur d'Allah et le fait de le vénérer. Et c'est pour cela qu'ils se sont aimés. En cela, et ceci, cet amour, il est spécifique à ceux qui préservent les limites d'Allah, qui ne les transgressent pas. Non pas pour ceux qui transgressent les limites d'Allah à cause de la faiblesse de leur foi dans leur cœur. Donc on voit bien que cet amour qu'il y a entre eux, c'est
dans l'obéissance et le bien, comme Allah Ta'ala a ordonné, entraidez-vous à l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas à l'accomplissement du péché et de la transgression, dans le sens des versets. Allah Ta'ala a dit, dans le sens des versets, les amis proches, les amis intimes, seront ennemis ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, l'un des autres, sauf les gens pieux. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, qui est un hadith authentique, le hadith d'Abdullah ibn Omar, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne l'abandonne pas. Puis il a dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a pas deux personnes qui se sont aimées et que l'on divise et que l'on sépare entre eux sans que ce soit à cause d'un péché que l'un des deux a commis. On voit bien, en se basant sur ce hadith, que la cause de la division, c'est les péchés, c'est les égarements, c'est le fait de suivre ses passions, c'est les innovations, car ce sont les vraies causes de la division de la communauté. Toutes les personnes qui ont agréé et choisi pour eux un autre chemin, une autre voie que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui par cela se sont séparés de la jama'a, du groupe. Car le groupe, c'est ceux qui sont sur la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, si nos cœurs étaient purifiés, si on était loin des péchés, si on était loin des innovations, et qu'on aimait réellement Allah et son messager, et qu'on s'attachait à la religion d'Allah comme il se doit, alors on s'aimerait et on serait unis. Mais la cause de la désunion et de la division, c'est quoi ? Les péchés. Ce sont les péchés. La troisième condition nécessaire pour que cette fraternité elle soit considérée comme un acte par lequel on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que cette fraternité elle soit basée sur la loyauté et le bon conseil, sur la sincérité, la loyauté et le bon conseil, qui est résumé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est la sincérité et la loyauté et le bon conseil envers Allah. Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Jarir ibn Abdillah a dit, j'ai fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la salat, de donner la zakat et d'être sincère et loyal envers tout musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un de ses compagnons, et cet ordre est pour toute sa communauté, si ton frère te demande un conseil, alors donne-lui le conseil en toute loyauté. Serviteur d'Allah, il est nécessaire de savoir que l'union des musulmans ne peut se faire qu'en respectant ces conditions-là. On ne peut pas espérer unir les musulmans de la manière que l'on veut. Car comme pour la salat, comme pour la zakat, comme pour toutes les œuvres pieuses et adorations qui existent en islam, pour qu'elles soient acceptées, elles sont conditionnées par le fait d'avoir par exemple la purification, la qibla, etc. pour la salat. De même, la fraternité est une œuvre, est une adoration par laquelle on adore Allah, on s'approche d'Allah, on en espère la récompense auprès d'Allah. Donc, elle doit respecter ses conditions. C'est de s'unir sincèrement autour du Coran et de la Sunna, de s'entraider dans l'accomplissement du bien et de la piété, et que cette union soit basée sur le bon conseil, la loyauté, la sincérité et la fraternité comme un seul corps. Pour finir, je vais citer un hadith qui est dans le Bukhari, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, méfiez-vous des suspicions, des mauvaises pensées, car les suspicions sous Avvan sont le plus mensonger des discours. Puis il a dit,
ne vous jalousez pas les uns les autres. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas. Ne vous tournez pas le dos. Et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Et qu'un homme ne demande pas la main d'une femme dont son frère a déjà demandé la main jusqu'à ce qu'il l'épouse ou qu'il laisse. C'est pour cela, la législation islamique a interdit combien d'actes, tout cela pour préserver la fraternité et l'unité. Il a interdit l'espionnage, la médisance, combien de choses. Tout ça pour préserver quoi ? La fraternité et l'unité qui est basée sur la foi, l'entraide dans l'obéissance d'Allah et la sincérité et le bon conseil. Allah tabaraka wa ta'ala, on demande à Allah d'unir la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa religion, de les renforcer, de les préserver de tout mal. Allahumma rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanata wa qina adhab an-nar, walhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.